Ouais, c'est pour la photo souvenir. Ce qu'on peut faire, on verra le cas d'accord. Oui. Après, on verra. Je vois, on prend du taille. Ah, je voulais te chercher. Salut Christophe, tu peux m'expliquer un peu pourquoi, dans le cadre de la guerre de 14-18, le centenaire de la guerre de 14-18, au Fougeray, vous organisez une cérémonie? Comme tous les ans, on organise une cérémonie, mais celle-ci, c'est pour la commémoration des 100 ans. Donc, on a les enfants de l'école qui ont participé, les militaires de Coëtquidan, et puis on va remettre des médailles à 10 anciens combattants d'Algérie. Alors on va parler aussi d'un nouveau drapeau. Donc on a la remise également d'un nouveau drapeau pour les AFN. Donc monsieur le maire remettra le drapeau officiellement devant le parvis de l'église. Le drapeau, ça correspond à la galle d'Algérie, je crois, non? Allez. Non. Ça correspond à quoi, ça? Alors le drapeau, c'est un nouveau drapeau. Donc pour les AFN, l'UNC, OPEX et les soldats de France. Donc depuis 3 ans, il y a quelques soldats de France qui font partie des AFN. Les soldats de France, c'est les gens qui ont fait leur service militaire, la gendarmerie, les pompiers, et qui peuvent être soldats de France. Lieutenant Anselme de base, rassemblement sur 2 colonnes en colonne couronne. Bravo. Direction l'église. En avant. Marche. Et le conserverai dans l'honneur et la dignité. Oh.
Eh bien, ils sont arrivés là. Mais ils n'ont rien compris. Il n'y a pas le choix. Imaginez-vous, il y a 100 ans, les cloches sonnaient dans toutes les paroisses. 100 ans, c'est comme un jour, dit la Bible, aux yeux du Seigneur, dont nous sommes très proches de ceux qui, à la fois dans la joie, et pour beaucoup de familles, dans les pleurs, disaient « c'est fini ». Un peuple qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Si vous avez voulu marquer ce centenaire par divers signes, plus important c'est votre présence en Algérie en partie, vivre en Indochine, ou dans divers lieux de combat comme actuellement, on a perdu quelqu'un des leurs. C'est tout cela que nous avons présent dans notre cœur, dans notre prière, et qui sont représentés par ces drapeaux. Je vais bénir un drapeau. Ces drapeaux, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, voilà, nous allons entrer dans notre célébration, disposer des drapeaux comme c'est prévu dans la célébration. Dieu dit nous à vivre au combat de la liberté. Dieu dit nous à vivre. Du ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille de la reconnaissance de la nation. Gilbert Méaude. Auray Jean. Au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille de la reconnaissance de la nation. Jean-Claude Danilo. Albert Danilo. Joseph Chenet, Joseph Geffroy, Joseph Audran, François Bocherel, Pierre Renaud, Joseph Royer,
Auguste, Amon, Joseph, Loiseau, Louis Chenet, François Rivière, Jean-Louis Gauthier, Sandre Fanen, Eugène Chenet, François Renaud, Jean-Marie Chenet, Émile Danilo, Joseph Audran, Alexandre Touguet, Pierre Auré. Jean Rivière, Jean Rollo, Joseph Canquette, Julien-Marie Canquette, Désiré José, Joseph Belsœur. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice 1918. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice est signé à l'aube, se propage jusqu'au champ de bataille. En guise de devise pour que rien ne nous divise, liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Toujours la liberté à protéger comme un trésor, encore égalité, il reste à faire quelques efforts, c'est la fraternité qui doit rassembler et rendre fort. Pour rencontrer l'avenir et chanter. Liberté, égalité.